Deux mots. Ok, déjà, on a besoin de Nous ne sommes pas dupes. Les listes d'attente sont une énième manière de mettre en attente la colère, de neutraliser la rage. On nous voudrait génération en attente. C'est raté. Le gouvernement imagine qu'il nous fait peur. Mais c'est lui qui tremble. La communication gouvernementale s'effondre. Il n'y a plus que le mythe de ses mots et de ses algorithmes. Ouais 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 Charlemagne est éternel. Ouais. La bastion, l'Empire à la scène. Et nique la police. Charlemagne, il est acquis. Il est à vous. Attendez, des préoccupations que vous avez, je les respecte. Moi, je vous dis comment on sort d'ici ce soir. On ne va pas parler d'un route. En deux heures, ça ne résoudra pas le problème. C'est le problème. Les gardes à vue, les trois gardes à vue, voilà, là, sont terminés. Oui, mais ils sont terminés aussi. Voilà. Par rapport à personne, d'accord. Oui. Voilà. Donc, ce que je vous demande simplement, c'est voilà, si on décide de sortir, on le fait de manière apaisée. Pour pas qu'il y ait. C'est pour ça qu'il y a 20 camions. Ben, en fait, vous savez, c'est dernier CRS. Et moi, la magie du transport, c'est que la téléportation, ça n'existe pas encore. Donc, il faut bien que les gens, je les emmène dans des camions. Donc, les camions, ils sont là, c'est pas pour vous mettre dedans, parce que les camions qu'il y a là, ils peuvent transporter que des personnels de police. Mais les 20 camions sont nécessaires pour nous évacuer. Oui, parce qu'en fait, on vous met en sécurité. Pour vous prendre en sécurité, je viens discuter de sécurité. Mais du maintien de l'ordre, ça fait 25 ans que j'en fais. Et nous, les 4 heures, on regarde, c'est normal. 6 heures. Je suis pas un addict de la violence, hein, au contraire. Moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi ce soir. Mais oui, c'est en sécurité de la Vous me faire descendre les escaliers. Moi, on est. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser, vous allez avoir des bobos. Donc, moi, je veux pas de bobos. C'est pour les enfants, mais. Ouais, un peu. Très clairement, l'instruction, elle est. On a une réquisition de la part du rectorat. Nous, dès que vous êtes sorti du bâtiment 7, le travail de la préfecture de police, c'est de faire en sorte que vous sortez. L'instruction vient du recteur. Lui, il veut la jouissance de ses locaux. Il veut préférer la jouissance de ses locaux à la jouissance de ses élèves. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on est obligé de faire, madame, pour avoir le droit de vous parler, pour pouvoir enfin instaurer un dialogue? Ça fait depuis le début du mois de mai qu'on essaie de prendre la parole enfin, de nous exprimer, et vous êtes incapable de nous écouter, parce que à chaque fois vous reportez le moment où vous nous écoutez, et à chaque matin il y a un camion de police qui nous débloque, qui enlève nos banderoles. Là, vous venez de parler alors qu'il y a des CRS qui sont entrés dans l'établissement.
On n'a pas le temps parce qu'on veut pas nous laisser le temps finalement. On nous dit qu'on n'a pas le temps, madame, mais. Nous, on veut se donner le temps justement. J'aimerais juste te dire un truc. Là, on vient de lancer une occupation. On vient de faire dépasser 13 cas. Une directrice académique. Faut encore réussir tout le monde à le faire. Ouais, si tous les lycées se mettent à le faire. Bravo! Si on s'en va, il y a des gens.